لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قول أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء صدق الله العظيم شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Remercions الله سبحانه وتعالى le très haut, le tout miséricordieux, maître des mondes et de l'univers, de nous avoir accordé iman, de nous avoir accordé la santé. On fait droit avec Allah subhanahu wa ta'ala, donc qu'il nous fasse mourir avec iman. Amen. Dans le verset que j'ai cité, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit en ce sens que Alam tara kayfa daraba Allah mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin athluha thabit wa far'uha fis sama. N'as-tu pas vu comment Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'exemple? Kalimatan tayyiba, c'est-à-dire une bonne parole, et comme ka shajaratin tayyiba, et comme un arbre qui est un bel arbre. Athluha thabit, que ses racines sont bien fixées dans la terre, et que ses branches s'étirent dans le ciel. Les Mufassir, le commentateur du Coran, il donne l'exemple que la bonne parole, c'est le tawhid. Le iman qui est dans le cœur du musulman est comme un arbre qui est bénéfique à toute personne. Cet arbre a la particularité d'être stable et fort par ses racines. Dans le kitab Tafsir, il dit que cet arbre, c'est un nakhl, c'est-à-dire la famille des palmiers. Et le palmier comporte environ 300 différents arbres. On a le palmier, le dattier, le cocotier, c'est la famille de palmiers. C'est un arbre très robuste et qui est très difficile à déraciner. Le musulman qui a iman doit être un musulman qui est fort, physiquement, mentalement, spirituellement. C'est-à-dire qu'il a de la stabilité, il est équilibré. Le musulman doit être attaché à Allah subhanahu wa ta'ala, et pas que lorsqu'il y a un coup de vent, ou bien un cyclone, ou bien un tsunami de fitna, de difficultés, d'épreuves, alors il bascule, se déracine et tombe dans le haram, dans le shirk, et parle en mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman doit rester ferme sur sa foi, son iman. Pour devenir un arbre robuste, il faut avoir de bonnes racines. Ces racines, ils ont débuté lorsqu'on était dans le ventre de notre mère, notre éducation, lorsqu'on était dans le ventre de notre maman, tout ce qu'elle a lu, tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a fait, donc a eu des répercussions sur nous. Et ça, c'est très important. Ensuite, lorsqu'on était jeune, ceux qui ont pu partir à la madrasa, ils ont appris des choses. On a écouté des discours, on est resté avec des gens pieux. On a formé ces racines-là. Et pendant toute l'année, il y a cet exemple-là. On le dit, pendant le mois de Rajab, on sème les graines, pendant le mois de Shaaban on arrose, et pendant le mois de Ramadan on récolte pour justement avoir cette base qui est assez robuste pour pouvoir passer les restes du mois dans l'année dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Asluha thabit, cet arbre qui est bien enraciné, wa faru'aha fis sama, et qui a des branches qui est étalées, qui est épanouie. Cet arbre, il est en bonne santé, il se développe dans le ciel, il a fait cet effort pour grandir, pour pousser malgré les difficultés. Il y a eu les coups de vent, il y a eu les cyclones, et parfois le vent est tellement fort que même les cocotiers, ils penchent un petit peu, ne se déracinent pas. Et par la suite, on voit qu'il reprend son cours normal, commence à pousser tout droit. Même s'il était penché, mais il continue à partir tout droit, à pousser. Il va contourner aussi un obstacle. Donc le musulman, il doit travailler et non être un paresseux comme les munafiques qui est décrit dans le Coran, c'est-à-dire donc il se lève avec paresse. Un musulman, il doit bouger, il doit faire des efforts, il doit faire des projets, il doit être productif, il doit dégager de l'énergie positive autour de lui, il doit consolider sa foi et ce tawhid, cet iman. On a eu le mois de Rajab, le mois de Shaaban, le mois de Ramadan. Et surtout, bientôt, il y aura le mois, la préparation, on est dans la préparation du mois de Dhul-Hijjah, qui est très important aussi. Avec ces 9 jours de jeûne,
Et le dixième jour, c'est le jour de Eid. Il y a le Qurban et le sacrifice. Et ceux qui ont l'occasion de faire le Hajj aussi, ils accomplissent donc le pilier de l'islam. Pendant ces jours qui vont venir là, mardi soir, Inch'Allah, on va observer la lune. Alors, c'est l'occasion de tester si nos racines sont bien solides. Et qu'est-ce qu'il en reste de ce mois de Ramadan? Donc, comme préparation, durant ce mois, le mois de Dhul-Hijjah qui vient, donc, il y a les 9 premiers jours, on doit jeûner. La récompense est énorme. Chaque jour de jeûne correspond à une année de jeûne en récompense. Il y a aussi la préparation du sacrifice, on doit rechercher l'animal. La suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, donc lorsque on est bien enraciné, on a étalé, donc on a grandi, on a appris de l'expérience, on est comme cet arbre-là qui a étalé ses branches. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربي بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Maintenant, cet arbre-là, il donne toujours des fruits avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va produire des fruits succulents que toute créature, il peut en bénéficier. Le croyant doit être une personne stable, forte, qui dégage, qui produit une sérénité autour de lui. Et qui va aider les autres, qui fait des choses que les autres peuvent en bénéficier. Et surtout, il ne cause pas du tort aux autres. Il ne faut pas qu'il soit une source de problème, mais au contraire, une source de solution et de bien. Exemple, là où on va chercher un animal, il ne faut pas que lorsque l'éleveur voit la personne arriver, il dit « Ah, ça, Zarabla, là, ça, c'est une lisse noire, ça. Ça ne lui paye pas, ça, c'est une cause menteur, ça nous ne veut pas de lui. » Avant d'arriver, il a fini de cataloguer. Non, il faut que lorsqu'on nous voit, il nous dit, ah, avec cette personne-là, ben, on va, c'est une personne qui est honnête, on va faire une affaire et tout le monde sera gagnant, il n'y aura pas de perdant dans la transaction. Il ne faut pas qu'on soit un musulman qui est comme cet arbre, qui est instable, qui est sec, qui est pourri, qui n'est pas productif, qui est vide à l'intérieur, est tellement faible que c'est les racines même là ne peuvent pas pénétrer dans le sol. Ça, c'est la suite du ayat. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ que la mauvaise parole, les mauvaises choses, le mauvais, كَشَجِرَةٍ خَبِيثَةٍ est comme un arbre qui est sans soutien, sans, qui est instable. كَشَجِرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ que ses racines, mais ils sont à l'extérieur, ils ne sont même pas ancrés, et d'un coup de vent, il est arraché et il est balayé. Le musulman, le réunionnais, le français est en train d'aujourd'hui de perdre sa culture, son identité, sa force, son union, au profit que d'autres cultures. Et surtout, il y a l'individualisme qui nous touche, qui touche toute couche de la société et surtout dans la cellule familiale. Ça sera l'objet de notre intervention, mais c'est important de le souligner aujourd'hui que si on n'a pas de racines, si on n'a pas de repères, si on n'a pas de modèle, alors on comblera ce vide avec ce qui se passe, ce qu'on a devant nous, ce qu'on a sous la main, donc on va prendre ça comme modèle. Autre point important aussi, c'est que les choses qui sont sunnat, qui sont mustahab, sont de plus en plus délaissées et minimisées aujourd'hui. D'ici, c'est une simple action, ça. Oui, les fard d'abord, mais les choses qui sont sunnah, sous toutes ses formes, ainsi que les choses qui sont conseillées de faire, les mustahabbat, sont là pour construire ce fard et la maintenir. Exemple, lorsqu'on vient faire la salat de farad, si on n'a pas fait les sunnats qui sont avant, les deux sunnats, les quatre sunnats, etc., alors la concentration qu'on aura dans la salat farad, ben, il sera pas appréciable. On ne sera pas concentré. Parce que là, on a quitté le dunya, on est venu faire la salat, mais il y a des choses qui restent dans l'esprit. Mais la chose qui est la plus importante, le farad, si on ne peut pas être concentré, il faut se préparer ça. C'est pour ça qu'on fait les sunnats avant. C'est comme une bonne nourriture, un bon repas. Que ce soit un biryani, couscous, mabawa, un bon sandwich, ou bien un bon rogaï la morue, mais s'il n'y a pas de sauce, il n'y a pas de goût dedans, il n'y a pas cet accompagnement, il n'y a pas ce petit plus qu'il y a dedans. Oui, les pharaons mangeaient,
mais les accompagnants, les choses qui viennent, ils donnent plus de goût, donnent plus de saveur. Et sunnat, c'est pareil, ça. Les choses qui sont sunnat, qui sont nafi, qui sont mustahab, là, c'est pour donner goût à cette chose qui est faraz. Et justement, il ne faut pas délaisser. Mettez en pratique et vous verrez. Hein? Pendant ce qu'on va faire cuire de la nourriture, il y a toute la préparation, le temps de cuisson, et même le petit plus qu'on ajoute là aussi. Donc dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a bien sûr l'adoration principale, mais aussi il y a les à côté, les choses qui l'accompagnent, et toute la préparation afin que cette adoration devienne la façon la plus parfaite. Et tous les sunnats et les mustahab à mettre en pratique pour ce qurbani qui va venir sont aussi importants. Exemple, à partir, donc si on a vu la lune mardi, donc à partir de donc mardi soir, pour celui qui a fait l'intention de sacrifier un animal, donc il ne doit pas couper ses ongles ni ses cheveux. Les gens vont dire, oui, mais ça c'est mustahab. Mais justement, pour que cette action, faraz, ce sacrifice-là soit la façon la plus parfaite, ben, il faut qu'on mette tout ça en pratique. Parce que la récompense qu'on a en mettant cette pratique-là à ce moment-là n'est pas la même récompense à un autre moment de l'année. Donc on ne doit pas minimiser la plus petite action. Donc le musulman ne doit pas être faible, qu'au moins un coup de vent, hein, on est balayé, il va vendre son identité, sa foi, sa conviction en Allah subhanahu wa ta'ala, et il va délaisser les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les tentations donc, de shaitan. Comme on a dit, le musulman doit être un arbre robuste, qu'une personne donc veut s'y abriter, se sentir en sécurité, va profiter de ses feuillages, de l'ombre, de l'air pur qui s'en dégage, qui est agréable à voir, et non comme un arbre sec, pourri, qui risque de tomber, et que même les animaux vont venir faire leurs besoins auprès de cet arbre. Le musulman, il doit contrôler son regard, ses paroles, son comportement, plus particulièrement ces jours importants de Dhul-Hijja qui vont arriver. Donc un bon comportement avec les gens, et surtout le jour de Eid, on va faire une adoration et non se donner en spectacle et causer du tort à d'autres personnes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre par cet exemple là très facile à comprendre, qu'on a vu tout à l'heure l'exemple de l'arbre, l'image de ce palmier, cette pédagogie de l'image, ce qu'on appelle ce photolangage, c'est-à-dire qui trace le chemin qui conduit de l'image à la parole. On aurait pu aussi expliquer ce verset-là dans le jardin, auprès des dattiers. Il y a un dattier à ma droite ici, un dattier à l'entrée là-bas, et là on aurait vu toute cette importance-là. Lorsqu'on va sortir, on va regarder ces dattiers qui sont dans la cour de la masjid, on verra qu'ils sont très costauds, très droits, avec leurs palmiers, et on doit vraiment donc méditer là-dessus, et il faut qu'on devienne comme ces palmiers-là, bien droits, bien enracinés, bien épanouis aussi, et qu'on puisse justement ainsi se construire dans tous les domaines pour ainsi mieux revenir et étaler ses feuilles en produisant des fruits où les personnes locales peuvent en profiter. On deviendra ainsi, comme on le dit en créole, un zarboutan, un pilier, des personnes productives qui va produire des choses, il va dégager de l'énergie positive autour de lui, et ça va amener quoi? La stabilité dans la société dans laquelle on vit. Va amener la stabilité dans la localité où on est. Chacun d'entre nous, on peut en devenir un. Les jours qui arrivent de Dhul-Hijja, ce sont les meilleurs jours de l'année. Pour être encore plus productif, il y a le Hajj, pour ceux qui peuvent partir, mais il y a aussi les 9 premiers jours de Dhul-Hijja où il faut garder le jeûne. Chaque récompense, c'est une année de jeûne, de récompense pour chaque jour. Et le 9e de Dhul-Hijja, le jour de Arafat, c'est 2 années de péché pardonné. Auparavant, ce jeûne-là donc était obligatoire. Ce mois de Dhul-Hijja, où les derniers versets du Coran ont été révélés, les jours les plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala, il faut faire donc la sadaqa, et il faut faire beaucoup de tasbih, de dire subhanallah, de takbir, Allahu akbar, de tahmid, alhamdulillah, de tahlil, la ilaha illallah, de faire beaucoup de dhikr.
prophète Hassan nous dit que ces jours-là, il faut faire beaucoup de takbir, tahmid et tahlil durant ces jours-là. Les nuits aussi ont beaucoup de valeur. Les nuits qui vont venir, il est dit que celui qui va passer ses nuits en ibadat, il aura la récompense comme s'il a passé la nuit du destin en ibadat, la nuit d'Al-Qadr. Et à la fin, donc, il y a la fête du sacrifice, Eid al-Adha, on va sacrifier l'animal avec tout l'esprit du sacrifice qu'il y a, qui a été décrit la semaine dernière par Khalid Jamil, donc, qui a expliqué bien donc, cet esprit de sacrifice qu'il faut avoir là. Et les vertus ont été détaillées aussi, les vertus donc, du qurbani, du sacrifice, ainsi que durant ce mois de l'Hijj. Donc, durant cette première décade du mois de l'Hijj, il y a une donnée qui est importante. C'est que pendant le mois de Ramadan, Shaitan était enchaîné. C'était facile pour nous de faire ibadat. Maintenant, il n'est pas enchaîné, il est libre. Ce qui rend encore plus important la bonne action et qui valorise plus encore cette action qu'on va faire durant ces quelques jours-là. Et encore plus ceux qui vont faire le Hajj. Pour terminer, on fait ce rappel-là qu'il faut chaque jour de notre vie, chaque action qu'on fait, il faut qu'il soit conforme à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. On fait des erreurs, on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, mais on fait surtout l'intention de ne plus faire cette erreur-là. De ne plus faire cette erreur-là. Et donc, à nous donc d'en profiter les quelques jours qui restent pour préparer, comme on a préparé la venue du mois de Ramadan, donc on va préparer la venue de ce mois de Dhul-Hijj. Donc soyons des exemples qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous permet donc de comprendre ces quelques paroles et de mettre en pratique et de propager. Amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillah.